suis venue voir les conditions sur place. On avait déjà entendu que les conditions étaient difficiles et encore qui sont empirées suite à l'explosion de dépôts de carburant en décembre 2023. Et dans ce cadre, l'Union européenne voudrait apporter l'aide à la population aux victimes d'explosions, notamment aussi les habitants et les personnes incarcérées en maison centrale. Donc nous comptons faire un petit projet qui permettrait réhabiliter certaines parties de la prison, tout ça en vue pour améliorer les conditions de vie des détenus, parce que même les prisonniers ont les droits et ils doivent avoir droit à des conditions décentes de détention. Les chantiers s'avancent, c'est déjà un soulagement de voir qu'il y a deux bâtiments qui sont en bon état de marche, qui vont, j'espère, bientôt pouvoir accueillir certains des détenus qui, pour l'instant, sont dans des situations difficiles. Surtout, comme je dis déjà, qui sont devenus encore plus durs à cause de l'explosion. Donc voilà, ça c'est déjà en cours, mais donc ensemble avec le ministère de Justice, nous allons voir exactement qu'est-ce que nous pouvons apporter comme aide. L'Union européenne est un partenaire privilégié du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. L'Union européenne, en toutes circonstances, nous accompagne positivement. La semaine dernière, à la chancellerie, nous avons reçu Son Excellence Madame, la représentante de l'Union européenne ici. Nous avons échangé sur beaucoup de sujets de préoccupation, notamment le souci que nous avons concernant la maison centrale de Conakry à la suite de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Corentin survenu le 18 décembre exactement 2023. Madame a juste raison à solliciter de nous d'accepter qu'elle vienne voir de visu les impacts négatifs enregistrés à la maison centrale. Elle a non seulement vu ses impacts, mais elle a commencé par apprécier les efforts déployés, notamment par la construction de ces nouveaux bâtiments qui vont bientôt nous soulager quant à la sécurité de la population carcérale. Elle a noté des détails très importants allant jusqu'au plafond, jusqu'à la toiture, et tout ça constitue de réelles menaces quant à la sécurité des prisonniers. C'est dans ce cadre qu'au retour, et comme elle vous l'a annoncé, une aide nous sera accordée pour vraiment nous tirer de ce mauvais pas.